Tous les matins, ça va me regagner, je baisse un petit peu vite, fais le chauffage. Faire dégivrer la bagnole. Comment te dire que c'est un casse-tête chinois. Mais j'ai pris ce produit-là, Action, l'année dernière. J'en ai pris deux. Le Air Spider, plutôt efficace. Ça enlève bien la givre sur le pare-brise, enfin sur les vitres coquins. Donc franchement, il est top. Mais le souci, c'est qu'il faut en mettre beaucoup. Disons cela, ça est presque fini. On n'est que le 12 décembre, je crois. Non, le 13. Donc bon, ça n'a pas même duré très 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 longtemps. Donc bon, qu'est-ce que ça. Ouh. Voilà. Bon les gars, on se retrouve quelques jours plus tard avant la fin, après le début du tournage de ce vlog. Donc tout simplement, samedi après-midi, on était chez des amis, on est rentré plutôt tard. Dimanche matin, j'ai travaillé. Du matin, j'étais extrêmement claqué. Parce que tout le week-end était très compliqué la nuit avec bébé parce qu'il avait du mal à dormir. Donc j'ai pratiquement rien filmé. Et là on est lundi 12. On vient juste d'entrer parce que ce matin il y a une nouvelle box qui a été installée. Donc on est chez Free maintenant. Donc on a la Free Box Data je crois. Donc elle a été installée ce matin et normalement là tout fonctionne. Et on a décidé d'aller un petit peu vadouiller avec Chéri. Donc on a acheté plein de petites choses. Je fais des petites emplettes vite fait à Action, comme à mon habitude. Donc j'ai pris une grosse caisse pour pouvoir trier les jouets de bébé avant que Noël arrive. C'est des caisses bleues qui coûtent 6€ à Action. Franchement c'est un bon rapport qualité et quantité prix. On a pris rapidement des petits allume-feu, les moins chers sont clairement les marrons pour le poêle à bois. Ensuite après on a pris des serviettes pour le réveillon de Noël avec un petit chemin de table tout simple. Franchement on va pas faire une grosse décoration cette année parce que clairement il n'y a rien qui me plaît, donc on s'est pris vraiment trop en retard. Et comme ça sert un petit peu à rien de prendre juste pour prendre, l'année prochaine on se prendra beaucoup plus tôt. Dès que les décorations de Noël vont être mises en rayon, on va commencer à apprendre au fur et à mesure. Et je pense que là on fera au moins une vraie déco, mais là c'est vraiment, en tout cas va vite pour la table. Donc un petit chemin de table toujours Action avec des petits sapins, un petit lot de 4 sapins. On a procédé un petit peu déco la table vite fait bien fait. Et par la suite, en dernier, j'ai pris des dosettes de café, les Palazzo. Ils sont vraiment bons. Une collègue à moi qui prend les mêmes et qui me sert le café. Franchement, ils sont top. C'est largement assez pour le prix. C'est les régulaires, mais t'as la formule un peu plus corsée. Et il y a 36 dedans. Hop, tout ça à Action. Comme je vous l'ai dit, mais vous n'aurez pas le rush. Je vous explique pourquoi par la suite. Je voulais prendre des plantes dans un magasin à Carrefour. Mais quand je suis allée, le magasin était déjà fermé parce qu'à 14h, ils ont été dévalisés. C'était de 9h jusqu'à 16h. De base, je ne devais pas travailler, mais j'ai travaillé du matin. Et quand on est arrivé à Carrefour, il était 14h30, passé pratiquement 15h. Et c'était déjà fermé parce qu'il y avait beaucoup, il y avait peu de stock. Tout a été dévalisé. J'étais extrêmement déçue. De base, on était allé pour ça à Carrefour. Mais bon, c'est pas grave. Ça sera une partie remise. Je suis pâle comme la mort sur la caméra, c'est un truc de fou, j'ai un gros bouton là. Ah, ça m'énerve très bien. Parce que là, je filme la lumière du jour. Oui, j'ai la flemme d'enlever ma doudou parce qu'il fait encore froid tant que la cheminée prenne là. J'ai trop froid. Donc, ensuite, nouvel achat qu'on a fait avec Chéri. Si vous savez pas, moi j'ai un iPhone 11. Enfin, j'avais un iPhone 11. Et je l'ai depuis 4 ans maintenant. Et là, la batterie est clairement en train de rendre l'âme. La batterie ne garde pas la charge, mais pratiquement plus. Mon téléphone il se décharge d'une vitesse grand V pour que je le recharge plusieurs fois par jour. Limite, ça m'est arrivé plusieurs fois de me retrouver au travail sans téléphone parce que plus de batterie. C'est qu'il reste 10%, mais il s'éteint. Donc, comme mon téléphone est en train de rendre l'âme,
mon conjoint sur son téléphone est en train de déconner aussi. Parce que il n'avait pas de notes sur son téléphone. Pourtant, Bouygues, ça fonctionnait. Ça peut, notre téléphone fonctionne, mais dans son téléphone, il n'y avait pas de réseau. Donc, il loupait plein d'appels importants, surtout pour des démarches administratives. Donc, ce matin, bim, sur un coup de téléphone, c'est bon, allez, on change de téléphone. Et donc, vous me connaissez, Team Apple toujours. J'ai pris un iPhone, mais un des derniers iPhones. J'ai pris l'iPhone 14 Plus. En version bleue, 128 Go, et bien sûr, grosse prise jaune que l'on est. J'ai aussi pris le bloc chargeur qui coûte 25 balles, toujours de chez Apple, USB type C, enfin bref, tu connais. Hein. Parce que bien sûr, maintenant, dans la nouvelle boîte de iPhone, pour ceux qui ne le savent pas, t'as que le téléphone et le câble, t'as pas d'écouteur et de bloc chargeur, si j'ai bien compris. Et j'ai aussi pris une coque avec des verres trempés fournis dedans pour le moment. Mais bon, je compte bien sûr changer la coque, parce que les coques comme ça, elles seraient mon souple. C'est pas les plus solides du monde, entre guillemets. Et moi, j'aime bien les coques bien rigides, bien épaisses, qui protègent réellement l'iPhone. Mais pour démarrer, entre guillemets, ça sera largement assez. Et le mois prochain, quand j'aurai ma paix, je prendrai une vraie coque bien épaisse sur Amazon. Je voulais surtout une coque et un verre trempé, parce que moi, au travail, mon téléphone est demain par des fois, il tombe par terre. Dans mon sac, j'ai mes clés, j'ai tout ce qu'il faut. Je vais me culter dans mon sac pour vous dire. Et ça arrête tout ça. Donc, je voulais vraiment au moins une coque et un verre trempé pour démarrer. Et par la suite, je prendrai un truc qui est beaucoup plus solide. Donc, on va ouvrir ça ensemble. Alors, on va faire une petite vidéo ASMR déballage d'iPhone. Les autres trucs comme les dessins que vous avez vus, il y joue encore, ou les chiens. Donc bon, c'est vraiment des jouets qu'il avait, qu'il jouait, entre guillemets, quand il était un peu plus petit, genre entre 6 et 9 mois. Donc des petits hochets et compagnie, là il n'y joue plus du tout. Il a bien grandi le petit, et puis voilà, voilà. Donc, ça au moins c'est fait. Après on va ranger la chambre. Hein Ben, tout à l'heure, plus tard. On a toutes les autres que t'as mis là, parce que demain on va à la crèche. Hein, on ne range pas la chambre. Je ne peux pas toucher ton nez. On est plein de caca là, regarde. T'aimes pas quand je venais. Ah, t'es fatigué.
T'as pas beaucoup dormi aujourd'hui. Hein? Hein? Tu descends ou pas? Je reste là. Tu descends? Non, je reste là. Ok. Alors, voici un petit retour de l'iPhone 14 que je voulais remontrer. Donc, celui-ci, c'est pas le mien. Celui de mon chéri, on a exactement le même téléphone parce que je filme avec l'iPhone 14. Et on a pris exactement la même couleur. Il est comme ceci, donc il a pris une coque sur Amazon. Avec une protection pour les deux capteurs de l'appareil photo. Il est vraiment bien. C'est la couleur qui est restée en 128 Go. Donc c'est vraiment la taille des iPhone 13 Pro ou 13 Pro Max, je ne dis pas de bêtises. Et franchement, c'est un magnifique téléphone. Je vous montre vite fait la couleur. Attention, on fait gaffe, mon bébé. Il est comme ceci. C'est vraiment un très très beau téléphone. Rien à dire dessus. Voilà. Là, c'est mieux. Voilà. Franchement, rien à dire. Et là, comme je vous l'ai dit, là, je filme avec mon iPhone, avec mon téléphone. Je verrai si vraiment la qualité est vraiment bonne au montage. Si c'est vraiment bon ou pas, ben, je continue à filmer des vlogs avec ce téléphone-là. Si vraiment ça va pas, en tout cas, c'est pas mon goût, ben, je reprendrai le Canon, qui est ma caméra facecam. Pas trop pratique parce qu'il est vraiment gros, c'est un peu encombrant. J'ai toujours peur que bébé tape dedans et la fasse casser. Bon, j'ai pas trop le choix. Mais j'espère vraiment qu'avec l'iPhone, j'ai un excellent rendu, que je filme avec la caméra arrière exprès, pas la caméra avant. Donc, si je suis pas très bien centrée, c'est normal. Je vais pas savoir où vraiment me mettre. Normalement, ça devrait le faire. Donc, la vidéo va s'arrêter juste ici. Prochain vlogmas numéro 4, ça sera sûrement filmé la semaine prochaine. On va acheter tout ce qui est le repas de Noël et emballer les cadeaux de bébé. Et je pense qu'il y aura un vlogmas numéro 5 où je vais vous montrer le repas en question et comment on va un petit peu décorer la table. Pas trop cher, comme je vous l'ai dit auparavant. On s'est pris un peu trop tard pour acheter tout ce qui est décoration de Noël. Et donc là, c'est ce qu'il y a en rayon. Il n'y a rien du tout qui nous plaît, mais vraiment, ça ne sert à rien de prendre juste pour prendre. Mais par contre, l'année prochaine, on s'y prendra beaucoup plus tôt. Genre, dès qu'ils commencent à mettre des articles de Noël en rayon, on va commencer à acheter. Je pense que là, on trouve vraiment notre bonne. Parce que là, franchement, j'ai l'impression que tout ce qui est bien a déjà été pris. Donc voilà. Donc, on fait un gros bisou. On s'abonne à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Instagram, Snapchat et TikTok. Je vous dis à très bientôt. Vous vous revoyez comme ça? Non, comme ça? Oui. Bah oui, putain. Comme ça. Oui.